Eh bien, salut à tous, c'est Kenji, on se retrouve pour une vidéo sur Spyro Reignited Trilogy pour le deuxième épisode. Gateway Go Glimmer, d'ailleurs, la dernière fois j'avais dit Ripto's Rage, mais ça je m'étais trompé. Ripto's Rage, c'était le nom. Ouais, c'était le titre de la version américaine. Dans le reste du monde, c'était Gateway Go Glimmer. Et pour le coup, c'est vrai que je trouve que le nom est bien meilleur en Europe. Je sais pas, moi je trouve que le nom est plus sympathique. Bref, donc la dernière fois, donc on avait commencé le jeu tranquillement, voilà. Et on va maintenant visiter, on va donc passer sous le château, sous les murailles du château, et aller à l'intérieur et découvrir d'autres mondes, etc, etc. Bon. Pas d'eau. Donc c'est vrai que la dernière fois, donc j'avais parlé vite fait des comment s'appelle ça, de jeux collectibles, donc je sais plus comment on appelle ça, le collectionnite, voilà, les jeux collectionnites. Et c'est vrai que j'avais mentionné comment il s'appelle, le jeu Spyro et forcément Mario 64. Mais il y en a un d'autre que je n'avais absolument pas pensé, c'est évidemment Banjo-Kazooie. Mais c'est évidemment, vu que c'est un peu trop jeune pour connaître ces jeux, évidemment je connaissais. Je n'ai pas eu le loisir de connaître cette licence. Tu es sur la bonne voie, Spyro. Continue à récupérer les talis. Oh, et récupère aussi. Oui, bon, ça, je pense qu'on a compris, ma grande. Tu n'as rien à me dire. Ok. Bon, déjà, on va faire le tour, puis après, on va parler au bonhomme. Oh, j'aimais bien ce niveau. Quand j'étais gamin, il me faisait peur, mais il était génial. Enfin, il était vraiment sympa. Bon, tu me dis quoi? Qu'est-ce que tu me dis? La caméra du jeu est actuelle. Si tu veux. D'accord, je. Très bien, ok, en fait c'était pour changer la caméra en mode passif ou actif. Bon, en gros là actuellement je suis en mode passif, donc la caméra ne bouge pas avec le personnage. Mais si c'est en mode actif, en fait, si je tournais le personnage, en fait ça tournerait avec moi. Voilà, tout simplement. On fait un petit peu le tour. Ok. Ah oui, je crois que c'était un truc de ce genre là. Sachant qu'en fait, je n'ai absolument pas besoin de le faire, étant donné que c'est pour... Attendez. Ah, c'est marrant, attendez. Ah, j'ai pas fait gaffe que ça activait ça aussi. Ok. Je crois pas qu'il y ait de... Je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit récupéré ici. Bon, là, on va acheter le machin. Dis, Spyro, tu as vu ce mur-là ? Tu as sûrement envie de savoir ce qu'il y a derrière. Et si j'avais quelques gemmes de plus, je me rappellerais peut-être comment faire pour l'abaisser. Ah, allez, vas-y. Ah oui, la beauté étincelante de ces gemmes m'a aidé à retrouver la mémoire. D'ailleurs, c'est bien ce que je pensais. Le toit Aquaria, c'était quoi ce niveau déjà? Ça plus et tout. D'ailleurs, ça me paraissait bizarre son nom. Je crois déjà, quand ça fait ça, je crois que son nom était bizarre, Richard. Et en fait, c'est normal. Parce que la version originale, la version française originale, il s'appelait Gros Sou. Il s'appelait Gros Sou et pas Richard. Pauvre Richard. Attends. Donc c'est là tout le boss, c'est ça? Cette porte des talismans ne s'ouvrira que si tu as les 6 talismans de la forêt d'été. D'accord, ok, j'ai compris. Donc, c'est bien ce que je pensais, là-haut, il y a bien un truc à récupérer. Ah, d'accord, ouais, j'avais un doute. D'aller avoir au moins, allez, une personne qui a dû jouer au jeu dans le passé, qui a dû m'engueuler à travers son écran. T'as raison. Ok, on va faire ça. Non, c'était pas... Comment est-ce que j'avais fait? Comment est-ce que j'avais fait... Non, ça y est, j'en souviens. Cataclop. Ok. Attends, je crois que j'en souviens. Attends, mais j'ai vraiment l'impression d'être une truffe en fait là. Ouais, parce qu'il y a un truc à récupérer derrière, ça on est d'accord. Non ! Ah !
Il y a un truc à récupérer derrière, il y a une orbe. Ça, je sais qu'il y a une orbe. Allez, allez, allez. Non, pas ça. Non, attends. Oui, je l'ai, voilà. Et voilà. Allez, on va faire un des niveaux qui en bas. Quoique, attends, qu'est-ce qu'on a un truc à faire ici? Bien joué, Spyro. Les orbes que tu portes ont activé le portail spécial. Tu ne trouveras pas de talisman dans le circuit marin. Mais si tu es rapide, tu gagneras plein de trésors. Amuse-toi bien. Alors, on fera ça plus tard. Ouais, ça c'est les niveaux spéciaux. Ok, on fera ça plus tard. Allez, on va faire un petit niveau de ce genre-là. Bon, là, de toute façon, il faut une capacité spéciale qu'on aura dans le plus tard. Donc on ne pourra pas l'avoir. C'est marrant. Nous ont toujours causé des ennuis. Mais voilà qu'ils ont installé des champs de force pour nous séparer. Si tu trouves des diodes, tu pourras les désactiver. Je crois qu'il y a une diode quelque part par ici, mais ma vue n'est plus ce qu'elle était. Il est bizarre la voix du mec. Hop, hop. Bon allez, ça me prendra. Tiens, c'est à cause de ces robots-là que j'avais peur. C'est ces robots-là qui me faisaient peur quand j'étais gamin. Attends, tourne, vas-y, tourne, tourne, tourne. Sympa. Bah alors ? C'était quoi ce bruit ? Que je réécoute parce que c'était bizarre le son qu'il a fait. C'est bizarre, ça sent la clope ici. Je crois pas. Je vois, c'est que dans mon appart, là, ça sent la clope. Pourtant, les fenêtres sont fermées. Je comprends pas du tout là. Ouais, y'a quelqu'un qui s'est glissé chez moi qui est en train de fumer une cigarette, mais là j'ai rien à comprendre. Attends, j'essaie d'écouter son son. Ils ont changé le son! Oh, faisait plus peur avant! Bon, ça peut se comprendre pourquoi ils ont changé, mais même! Fin... Ah, il faisait peur avant le robot là, pourquoi ils ont changé? Attends. Comment est-ce que je peux y arriver sans me casser la poire? Ah non, de là-haut, ok. J'adore les animations, sont vraiment sympas. Les animations sont vraiment vraiment sympas, ils ont vraiment bien bossé. Ok, il est là le portail. En plus apparemment ils ont annoncé comme quoi il y aura d'autres jeux Spyro qui arriveront. Ils ont, il y aurait une annonce comme quoi il y aurait le, comment s'appelle ça, les nouvelles suites officielles à Spyro 3.
sachant qu'il y avait déjà une suite, ou encore un, en sachant qu'il y avait déjà, comment ça s'appelle ça, un épisode 4 qui était déjà, bah, qui existe déjà. Ah. Il y avait déjà un épisode. De nous voler nos pierres de foudre. Si tu les remplaçais toutes et si tu activais notre générateur, je serais soulagé. Ça va être facile. Non, non. Putain, c'est vrai que ça aussi, ce passage me faisait peur quand je suis gamin, il me faisait flipper. C'est vrai que j'aimais pas ce passage. Mais après, c'est vrai que le jeu est quand même beaucoup beaucoup plus lumineux que dans le que l'original. Hein. Il est quand même beaucoup plus brillant, beaucoup plus clair. Enfin, essayez de trouver le comment que ça s'appelle ça. Essayez de regarder sur internet voir si vous avez pas des vous pouvez pas voir un let's play du jeu original parce que c'est vrai qu'il est. Attends, est-ce que je peux le checker ça? Ah, t'es là toi. Ah non, je peux pas. Bon, au moins je peux le tuer. Est-ce que j'ai oublié encore lui? Allez, viens là, prends-le. Merci. Ah, vas-y bien qu'il y en a. Prends-le, merci. Encore 5. Oh, ça c'est long. En fait, faut le faire dès le retour. En fait, faut en poser un. Aller de l'autre côté, attaquer et revenir. Voilà, comme ça. Après, faut que je revienne. Voilà, c'est ça en fait, ils apparaissent. Voilà, tu remets là, tu refais le retour, et non, il devrait en avoir un qui est apparu. Exactement, bien ce que je pensais. Ça c'est marrant, il était censé être dans l'autre sens. Si tu vois un là, ah, oui. Non, 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 non. Ah. Voilà, je fais ça. Voilà. Est-ce que j'en oublie un? Non, je vais de l'autre côté. Parfait. Et voilà. Ce qu'il y a, les remettre en place. De souvenir, je crois qu'il y a une deuxième manche. On va vérifier ça. Bah, de toute façon, on va bien voir tout ça tout de suite. Et le dernier. Évidemment, il m'indique pas lequel il faut prendre. Peut-être celui-là. Oui. Non, non, non. Récupère la bouboule. Récupère la bouboule. Merci. Normalement, on doit avoir une deuxième manche. Merci, Spiro. J'ai trouvé cet objet lumineux au milieu de nos pierres de foudre. Accepte-le en tant que récompense. Parfait. C'est tout? Y'a pas de suite? C'est marrant, dans mes souvenirs il y avait deux manches en fait. Genre il fallait faire la première moitié ici, la deuxième moitié là-bas, ou les deux.
Ok, bon bah je me suis trompé. Tant mieux. Vachement sympa l'effet, j'aime bien. Papa, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Putain, c'est vraiment sympa. L'effet écho en fait. Ah. Parfait, exterminateur. C'est quoi ça? Battre tous les robots. Ah, d'accord. D'accord, c'est un succès. Allez, qu'est-ce qu'il nous reste là-haut? Quoique. Récupérer d'abord l'argent. Voilà. Toi. Parfait. Ouais, ça va, 15 vies, je pense que ça devrait aller, je pense que j'ai un peu de marge. Il y a un petit problème quand même avec le son, quand j'y pense. Avec le... quand se passait le son des portails. Ça c'est... bon bref, de toute façon vous aurez compris, hein. Il y a du pour et du contre avec cette Story Master. Et la majorité du contre, c'est surtout plus de la nostalgie qu'autre chose. Spiro, tu vois ce grand bâtiment là-bas? Les machinistes s'en servent pour nous voler l'électricité. Aide-nous en arrêtant la machinerie à l'intérieur. Oui. Mais d'abord faut que j'arrête ce truc-là. Voilà, je crois que c'était tout ce qu'il y avait besoin de faire. Non ! Ah ! Bah attends. Je pense à un truc, mais est-ce que j'aurais pas besoin ? Non, je crois pas que j'aurais besoin. Bon, on verra bien. Ça sent vraiment fort la clope. Non, moi j'aurais rien dit parce que bon, franchement, je m'en fous un peu. Mais je trouve ça bizarre que ça sente aussi fort en fait. Quel côté? Ouais, et toi t'as quoi toi? Dès que tu n'as rien. Ah, ok, c'est pour la suite. Merci monsieur. Le prochain vol sera difficile. Ouais, bon. Allez, on a compris. D'abord on va activer ça. Très bien. Et maintenant on y retourne. Ah, je vais faire un test. Ah, bien ce que je pensais, il y a un ascenseur.
Pom 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 pom. Ouais, faut le faire le tour, ok, c'est bon. D'abord ça, on fait ce truc-là, puis après on fera l'autre. Non ! Bon, rien vu. Ah, ah. Non. Ah. Non. Non. S'il faut que je saute de là-haut ? Non, quand même pas. Ah ! Faut vraiment pas merder. Oui, je l'ai. Wouh ! Spiro ! L'interrupteur pour arrêter l'usine des machinistes est dans cette salle. Mais, le vacarme est insupportable. Okay. Merci d'avoir arrêté l'usine. Tiens, j'ai trouvé ceci au milieu des rouages. Tu peux le prendre si tu veux. C'est chanté. Alors, comment est-ce que je pourrais faire pour récupérer le bidule par contre ? On a un là-bas. Ça ne bouge plus, tiens. Non. Ouais, s'il faut que je passe par l'autre côté. Ah, peut-être passer par l'autre côté en fait. Attends, Charlie. Ouais, ça m'a tout. D'accord. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Ça y est, j'ai compris. Voilà. C'était ça qu'il fallait faire. Attends, comment ça j'ai pas le... Elle est où l'orbe? J'ai raté quelque chose? Bah elle est où le... Ah là, elle est là. Je pensais que j'avais ramassé le machin quand même. Ce talisman des machinistes. Je te le donne en récompense. Merci. Voilà. C'est parti.
Comme quoi, en un niveau, on en rembourse entièrement l'achat du l'autre niveau. Allez, on enchaîne. C'était quoi celui-là? Ah, je crois savoir. Non, ah, j'ai oublié la gemme. Est-ce qu'on peut tourner? Non, on peut pas. Si tu pouvais guider ces bébés tortues en sécurité, je t'en serais très reconnaissant. Bordel, c'est la voix de... Ah, punaise! La voix de qui? Ah, il me dit quelque chose, ce double R! Oh, bon sang. Ah, ce doubleur me dit quelque chose, mais c'était qui déjà? Doubleur. Ah, ça a perdu en vrai. Cette impression de déjà vu. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ok. Je respecte ton attaque. Et elle est quand même sympa la musique. Ça sert à quoi cette tortue? Ah, ok. Que dalle. Ah oui, c'est le genre de pingouin là. Mais il fait pas coin-coin. Il fait pas coin-coin. Attends, c'est quoi cette blague? Mais quel est ce marouflage? Attendez. Ah non, mais là, ils peuvent changer tout ce qu'ils veulent. Non! Ils ont transformé le coin-coin en Sifli! Non mais... Mais c'est Sifli de Toy Story! Non, mais avant il faisait coin-coin! Non, il faisait coin-coin avant, moi je veux plus. Non, je vais arrêter de jouer à ce jeu, je peux pas, attendez, c'est au-dessus de mes moyens ça. Attendez, non, mais pas le coin-coin! Bon ok, c'est un ennemi, il fallait le tuer. Et quand même... Je vais arriver, premier joueur arrive. Attends. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Bon, tu sais quoi, j'emmerde. Allez. Je vais faire un truc. Ah, ça marche pas. Les ouvriers marins ont capturé presque tous nos bébés tortues. Et ils les mettent dans des boîtes très solides. Avec une attaque de flammes plus puissante, tu pourrais les libérer. Ah ouais. Ouais, malheureusement, vu que je pourrais pas grimper. Je pense que je pourrais peut-être pas y aller. Enfin, je pourrais peut-être pas réussir le truc là. On va essayer. C'est 11 hein, qu'il faut, je crois. Hein. Ouais, c'est 11. Et je sais même pas comment je suis.
Ok. J'ai pas. Ce serait pas des pingouins de Club Pingouin, ça? Si, c'est. On va voir si c'est possible. Allez. Oh. Oh. D'accord. Il ressemble à quoi avant? Je crois qu'il était tout rouge quand le faisait avant. Ok, non mais j'aime bien. J'aime beaucoup le skin, c'est... Non, ok. Non, j'ai rien. Je dis rien, je critique quoi. Hein, ça, par contre, je suis moins fan. Là, je suis moins fan. Je crois que l'effet était mieux ici dans l'original. Ouais, je trouve personnellement que l'effet était mieux resté original, mais ça après c'est... Ouais. Allez. Je crois qu'il y avait rien là-haut, c'est ça? Attends, je me sens plus. Est-ce qu'il y avait un truc là-haut ou pas? Je sens plus. Attendez, je vérifie. Non, il va. On a récupéré nos gemmes. Ah, ben il y en avait un. Ah, ok. Ah, bon sang. Et je pense que de toute façon je pourrais même pas le faire en fait. C'est vrai que je suis en train de m'embêter à essayer de les libérer, mais là je crois que je pourrais même pas le faire. Attendez. Non. Attends, est-ce que. Attendez. Ouais, peut-être qu'il y en aurait d'autres. Bon, écoutez, on va regarder ça tout de suite. J'aime beaucoup l'effet. Franchement, l'effet est sympa. Encore un. Alors, peut-être après. Ping, 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 ping. Alors, peut-être après. On va voir ça après. Voilà. On va peut-être déjà localiser où se trouve l'autre. Et se situe où le dernier? Attends, on avait déjà essayé de trouver où se situe le dernier. Ah bah il est là. Bah, ça me bloquait pas. Ça passe vraiment plus le tabac. La caméra est quand même un peu aux fraises, hein, faut le dire. Voilà, c'est fait. Très impressionnant. Tiens, prends ce machin magique comme gage de notre gratitude éternelle. Voilà. Parfait. Bon, au final, il y aura juste à récupérer les 2-3 gemmes qui restent bloquées. Ah bah non, je peux pas le faire non plus. Il y a un cuistot en haut de cette échelle qui veut faire de la soupe de tortue. Tu peux grimper et l'en empêcher. Putain,
Mais où est-ce que j'ai entendu cette voix? Je pense que j'ai déjà entendu sa voix dans Call of Juarez. C'est peut-être ce jeu. Mais alors par contre... De toute façon, on peut pas grimper, donc c'est pas la peine. Mais je suis quasiment sûr d'avoir déjà entendu sa voix. Enfin, je suis quasiment sûr. Je suis sûr d'avoir entendu sa voix. Quelque part. Allez. Il est où? Attends, combien? J'en ai fait combien? Il manque 20, d'accord. Attends, j'ai oublié 20. Ah, là-haut, d'accord. Ben non, je suis bête, c'est ceux qu'on a oublié, qu'on ne peut pas voir. Merci, jeune dragon. Les bébés tortues sont en sûreté ici. Oh, je t'offre ce talisman en gage de notre gratitude. J'ai cru que ça s'appelait, le mec s'appelait le roi vomi. Bon, allez, on reviendra une autre fois. Ah, je peux ralentir le vol, c'est génial. Ouais, c'est sympa. Ok, donc ça c'est ça de fait. Il reste encore deux niveaux. Bon, on fait les deux des niveaux, puis après on arrête là. Et on fera le boss le prochain épisode. Quoique. À voir le temps qu'on a. Salopio. En fait, quand je suis en train de le dire, il y avait plusieurs niveaux qui me faisaient peur quand j'étais gamin. Ah, les crabes! Les crabes! Non, j'étais pas prêt mentalement. Les types bizarres avec des bâtons électriques ont siphonné toute notre eau! On ne pourra pas la récupérer, à moins que quelqu'un active leurs interrupteurs. Ça vaut aussi, il me dit quelque chose, bon sang de bois! Ah, ça va me dire quelque chose. Ça, on va faire un petit jeu dans les, pour ceux qui regardent dans les commentaires. Enfin, de toute façon, pour ceux qui regardent, sinon vous le verrez pas de toute façon. Mais pour ceux qui regardent, dites dans les commentaires à qui vous fait penser cette voix, à un personnage ou un acteur ou un doubleur. Enfin, de toute façon, c'est vrai. Surtout écouter le son qu'ils font. Non, ils ont rajouté ça. Et ils faisaient plus peur avant pour le coup. Là, je trouve que là, pour le coup, ils font moins peur qu'avant. Après, peut-être que l'ambiguïté. Je suis en train de réfléchir. Avant, c'était des vrais requins ou c'était des. Je crois que c'était. Ah, j'ai un doute maintenant. Est-ce que c'était des vrais requins avant ou pas? Je crois que j'aurais fait ça d'ailleurs. D'autres maintenant, tiens. Non, c'était peut-être des robots. Je crois que c'était des robots. Mais c'est vrai qu'avant, ils avaient l'air quand même beaucoup plus vivants que ce qu'on a là.
récupérer, rien à récupérer. Ouais, salopio. Mais oh. Non, je l'ai pas vu toi, tiens. Ok, toi c'est bon. Ah oui, c'est vrai. Il a tout migré les chambres. Il a tout migré les chambres. Salut Spiro. Mais tu dois être plus costaud que tu n'en as l'air pour être arrivé jusqu'ici. En tout cas, tu ne pourras pas passer les requins de métal. Je suppose que je pourrais te laisser emprunter mon sous-marin contre une modeste somme. Allez. C'est un plaisir de faire affaire avec toi, Spiro. Ce sous-marin est 100% à l'épreuve des requins. Garantie sur facture. Ouais. Non, pas, je mine de rien, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de niveaux quand j'étais gamin, que j'avais peur. Oh bon sang, et pourquoi t'as avancé, espèce de trou de cul, t'en avais des gemmes là-haut. C'est vrai que je me rends compte que quand j'étais gamin, j'avais quand même beaucoup plus peur que ça. Bon, on ira après. Attends, j'ai rappelé un truc là. Non. L'ambiance sonore est quand même vachement sympa. Ah, tout va bien. Merci. Toi là, viens là, viens là, viens là. Non. Merci. Ah, est-ce que j'avais rien à récupérer dans le coin? Ah, peut-être que. Ah là, mais ce qu'il me semblait. Il y avait un truc ici. Mais elle refuse totalement d'obéir. Dis-moi, tu fais juste la bonne taille pour la chevaucher, non? Et ouais, je suis en bas. Super. Monte sur son dos et guide-la à travers tous les anneaux de bulles qui apparaissent. Souviens-toi qu'elle est toute neuve, alors pas de rire. Superman 64. Ça y est, je suis prêt. Bien joué. Je suis. Maintenant que la Raymanta est apprivoisée, je voudrais l'entraîner à faire la. Parfait. Vas-y. Ça va être facile, je pense. Facile. Incroyable! T'as vraiment du talent! J'aimerais bien avoir un partenaire comme toi. Tiens, je te donne l'orbe que j'ai trouvé dans mon autre pantoufle. Ben voilà.
Allez, faisons un peu de nettoyage. D'autres. Il dit là-bas? Ah oui. D'accord, ok. Donc le prochain sera plus bas. Ok, donc il faut que je repasse en arrière. D'accord, ok, c'est bon. Du coup, je peux voir lui. Les ouvriers marins ont capturé 6 de mes enfants et les ont cachés au sommet de chacune de ces tours numérotées. J'ai emprunté des explosifs pour détruire les portes des tours. Si tu arrives au sommet des 6 tours numérotées, mes enfants seront en sûreté. Ok. Numéro 2. J'entends mais je vois pas. Attends. Je crois que je suis passé devant, je crois que j'ai dû dépasser. C'est quoi cette blague? Numéro 1. Ah, numéro 2 est là. Je crois. Oui, numéro 2. Pinaise, m'a fait peur ce truc. Cela m'a fait un choc. Ah, attends, viens là mouton. Mouit. Merci mouit. Au pire, on va s'occuper de ça. Je sais pas où il est, tant pis. Sympa l'effet. Alors attends, il va être là. Je l'ai même pas vu là pour le coup. J'avais absolument pas vu le crabe. Le dernier. 5. Mais le 6 il est où? Allez, je vais passer devant. Ah! Yeah.
Ah, le Sicilia. Non, viens là. Viens là, parfait. Oui, j'avais pas envie d'attendre. Allez. Tu as réussi. Maintenant, nous pouvons nager en paix. Il paraît que tu collectionnes les orbes. Alors, en voilà un. Et les autres ? Ok, super. Bien. Là. Donc je crois, si j'ai pas de bêtises, il faut passer par là. Il est vachement sympa l'effet. Attends, d'abord on s'occupe de récupérer la caméra. Là. Il est quand même vachement sympa. J'aime beaucoup l'effet. Il est sympa l'effet. Et ça devrait être les derniers, je crois. Non, même pas. Là ? Ah oui. Parfait. Excellent. Ok. Nickel. C'est parti. Parfait. Et donc là, qu'est-ce qu'il me reste encore? Pas mal. Ouais, donc toi, ce sera après. Ce sera pour juste l'épisode, toi. Et parti. J'aime pas le son. Il faudra que j'aurai les succès qu'il y a à faire dans ce niveau. Attends, je suis perdu. C'est là. Ah, j'ai réfléchi vite fait. Non, y'a rien à faire. Vachement sympa l'effet sur l'eau. Suivant.
Ah, non, non, non. Ah. Ah, non, 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 non. Non. Je l'ai. Putain, 0,4 secondes. Ah, c'était pas mal. Ok. On va essayer. Et ça, vous allez comprendre pourquoi. Parce que en allant là. Tu dois te croire très fort maintenant, non? Mais on va voir si tu es aussi fort que le champion actuel. C'est parti. Spiro, je te présente le champion du coin. Pour gagner la course, tu vas devoir voler à travers tous les anneaux. Mais attention, si Chasseur passe le premier dans un anneau, ce dernier commence à rétrécir. Ok. Hein? Non! J'ai raté. Ce n'est pas... Spiro. Ok, ok, j'ai compris, j'ai compris. Allez, j'ai pas vu, j'avais pas vu, désolé. Pour les gamins, c'est pas facile non plus. Ça, je me souvenais pas que c'est aussi difficile. Enfin, c'est difficile. Relative, mais. Je pensais pas que c'était. Ouais, bah, 600. Non, c'est ça. Aussi difficile pour un jeu pour enfants. Bon, après, dire que Spyro est un jeu pour enfants, c'est un peu. Ouais. Ouais, c'est un peu réducteur. C'est un poil réducteur. Merci. Ananas. Voilà, parfait. Non, c'est bon. On l'a fait. Bon, est-ce qu'on arrête la vidéo maintenant? Ouais, non, les gens ont envie de faire le boss. Allez, c'est parti. J'ai pas envie d'attendre. J'ai pas envie d'attendre une semaine pour faire le boss. Hop là, c'est parti. Oh, ce sera pas très long. Ce sera pas très très long comme boss. Bien joué, Spiro. Maintenant que tu as les 6 talismans, la porte va s'ouvrir. Elle a 4 doigts, donc techniquement ça fait 8. Avant d'arriver au donjon du château, Spiro, je pense que tu devrais savoir comment Ripto et ses monstres sont arrivés à Avalar. Tu vois ? La semaine dernière, dans la toundra, le professeur travaillait sur une nouvelle technologie de super portail. Cette ligne de dialogue n'existait pas dans le jeu original, ça j'en suis quasiment sûr. Est en place. Alors voyons, il ne nous manque plus que des coordonnées. Bon, pourquoi pas 2-2-4-7-5. C'est mon anniversaire. Non, chasseur, arrête. Quoi? Pourquoi aucun de vous? Où sommes-nous? Ah,
voix de dragon. Merveilleux. Crash, retourne faire mes valises. On emménage ici. Dites bonjour à votre nouveau roi. Professeur, fermez-le, vite! Seigneur, seigneur, je ne vois pas le bouton. Je crois bien que j'ai cassé mes lunettes. Crash, passe le portail, espèce d'idiot! Dis à tous tes amis de prendre les orbes et de les disperser dans Avalar. Vite! Non! Gulp! Crash, prenez les orbes, vite! Ah, méprisable petite créature! Je vais te tuer! C'est une mauvaise nouvelle pour Avalar. Chasseur, tu aurais dû le poursuivre. Oui, je me serais bien lancé à ses trousses, mais... n'a-t-il pas mentionné le fait qu'il n'aime pas les dragons? Professeur, peut-on trouver un dragon pour nous aider? Oui, oui, probablement. Nous avons besoin d'un monde dont l'alignement convient mieux à l'interception d'une de ces créatures. Pourquoi pas Lueur? Je suis quasiment sûr que c'est... Enfin, moi, je suis 100% sûr que cette cinématique a été changée. Parce que je reconnais absolument pas la cinématique. Voilà, bonjour le son. Oh. Ah. Ok, faut que je le touche avant qu'il touche le... Ah, il est trop rapide. Ah, mais je me souvenais que c'était quand même beaucoup plus facile. Enfin, beaucoup plus rapide. Demeurer. Mais Gulp sera un adversaire bien plus coriace! Faites ton mieux, mon gars! Ah, Gulp, et à tout de suite! Détruis-le! Et que ça fasse mal! Toi, Gulp, sors-moi de là! Adieu, dragon! Quelle mauviette. Ce ripto a causé assez de dégâts. Ces petites phrases m'ont coûté une fortune. Sans l'aide de Spyro, je serais ruiné. Oh, si Ripto était ici, je lui dirais ma façon de penser.
En fait, j'irai même beaucoup plus loin. J'ai été champion de boxe poids bantam à l'université. Et je ne suis pas encore rouillé. Prends ça. Et ça. Non. Quoi? Pourquoi? Toi? Bon, elle était moins marrante. Pour le coup, l'original était plus marrante. Le double G est plus marrant. Ouais, bon, c'est pas grave. Bon sang, elle est vraiment classe. Et bah, c'est vraiment classe. Mais bon, ça sera pour une prochaine vidéo, tiens. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît et que vous n'avez pas envie de rater d'autres épisodes. Et en attendant, bon, on se dit à la prochaine, tiens. Allez, bye tout le monde.